C'est sous cette ambiance que les activités du mois de mars dédiées à la femme ont été clôturées à la Ligue de femmes du CNC Grand Katanga, sous l'égide des camarades Mami Wangoy et Béatrice Nkombo, en présence de plusieurs autres femmes venues de toutes les autres provinces issues du démembrement, ainsi que des présidents urbains, territoriaux et communaux de ces partis des gauches. C'était à l'occasion de la double cérémonie des clôtures du mois de mars, mais aussi de l'installation officielle de la coordination de la Ligue des femmes CNC Grand Katanga qui sera chapeautée par Mami Wangoy, qu'assistait Béatrice Nkombo et d'autres femmes dynamiques. Décision numéro 0016/GK PIF/018 portant installation de la coordination des ligues des mamans CNC. Entendu. Merci. Article 1er. Est nommée en qualité de coordonnatrice des ligues des mamans CNC dans les Grands Katanga. La camarade Mami Wangoy Mukala. Des coordonnatrices adjointes des ligues des mamans CNC dans les Grands Katanga, la camarade Kombo Béatrice. Dans les Grands Katanga, aux fonctions ci-dessous, les camarades ci-après au regard de leur nom. 1. Secrétaire Senga Ngoy Mimi.
au comité de maman de la Ligue interfédérale du Grand Katanga. Que Dieu bénisse la MFC. Cérémonie présidée personnellement par l'interfédéral du Grand Katanga, Gabriel Nzeng Mwamb, c'est 31 mars 2018 dans la salle Bunker à Lubumbashi. Dans son intervention à l'assistance, la patronne de la Ligue a encouragé les femmes à croire à leur existence. Il est vrai que la femme a été tirée de l'homme, mais il n'est pas aussi vrai que la femme reste toujours occupée l'arrière-place face à l'homme. La femme, chère maman, je ne veux pas vous l'apprendre, toutefois je ne cesserai jamais de vous le rappeler. C'est sur elle que tout repose. Dans notre milieu rural, c'est la femme qui a un horaire surchargé et sans repos. Au champ très tôt le matin, ramassage du bois de chauffage, transport sur la tête des fagots de bois, recherche de l'eau à n'importe quelle distance du toit conjugal, la mouture manuelle, la cuisine, bref, la femme du milieu rural n'accorde aucun repos à son corps. Non seulement cette femme est porteuse du bébé à son sein durant plusieurs mois, mais encore elle tient à la vie de cet enfant même jusqu'à son âge adulte. Quel sacrifice! Quoi de plus élogieuse que cette mission que la femme rurale accomplit? Mais hélas, en guise de reconnaissance, la femme du milieu rural est négligée. Elle est traitée d'un objet de mépris dont l'homme fait subir tant de violences sous diverses formes. Et nous-mêmes qui habitons différentes villes, quelle considération avons-nous à l'égard de ces femmes que nous appelons villageoises? N'est-ce pas de la moquerie au lieu de compatir à leurs peines et tortures? Le CNC, notre parti, prône dans son idéologie la social-démocratie. L'initiateur du parti CNC jeudi, honorable Pius Mwabi Lumbaye Mukala, en proposant comme champ de bataille de social-démocratie, invite chacune de nous à développer la doctrine de l'altruisme, vouloir du bien aux autres. Autrement dit, chercher à servir le peuple congolais et non se servir. Il cherche à faire du peuple congolais une nation unie, forte, bienheureuse et ouverte aux autres femmes que vous êtes. Nous avons toujours été numériquement majoritaires. Voilà ce que nous devons manifester par notre adhésion au parti politique CNC, qui a besoin de notre force si nous ne voulons pas occuper, comme je l'ai souligné tantôt, une place à l'arrière-plan. Les souffrances que traverse la nation congolaise en général, et la femme en particulier, sont indescriptibles. La mutation de ces genres de vie ne peut se résoudre que par les décisions de la hiérarchie. La femme doit être partie prenante dans la prise des décisions, si elle veut vivre un véritable changement. Comment pourra-t-elle contribuer à une amélioration de social-démocratie alors que chaque fois elle est absente sur la scène politique? Donc, il ne s'agit pas de marquer simplement son adhésion dans un parti politique, mais bien plus, la femme congolaise doit prouver sa ferme présence dans les élections en y étant électrice et éligible. Femme, levons-nous, marchons, éradiquons les défis que les hommes n'ont pas pu annihiler. Ensemble avec les femmes du milieu rural, compatissons à leurs souffrances par des actes concrets. Allons en masse vers les élections afin d'élire les ayants souci de la social-démocratie, bien sûr en adhérant au CNC, notre parti. Maman et femme du Grand Katanga, vous qui êtes avec nous ainsi que celles qui vont nous rejoindre dans ce parcours, nous saluons avec toute révérence votre bravoure, le dynamisme et la persévérance qui vous caractérisent.
Imprégnez-vous de l'idéologie de l'honorable Pius Mwabi Lumba Yomukala, initiateur du CNC, qui vise de tous et de chacune de nous une fois le pouvoir conquis grâce à votre participation massive. Soyez fiers de vous-même et vivez soudées les unes aux autres, car au CNC, c'est l'altruisme qui nous anime tous. La maison, c'est mon pays. La clé, c'est mon pouvoir. Le CNC, c'est mon parti. Vive le CNC, vive les femmes du Grand Katanga. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. S'ensuivra l'allocution du numéro 1 du CNC dans les Grands Katanga, dans laquelle Gabriel Nzengmwamb a appelé toutes les femmes à une parfaite collaboration, peu avant de déballer la composition du nouveau comité de la Ligue pour son installation. Je suis vraiment très content et très ému de constater que une organisation Yabamama Bobinéo. Vraiment, au CNC, vous nous avez prouvé. Yakusema que Imwenji, Nienu. Vous vous êtes organisé impeccablement. Quand on a fait un Katanga, tout le monde a dit Katanga pour une configuration en Zamani. Dans ma province, il y a que de 4. Nous avons voulu revêtir cette activité dans l'accent moya particulier. Installation, il y a coordination, il y a ma maman dans les grands Katanga. Et pourquoi nous y avons attaché beaucoup d'importance? C'est parce que tu n'as joué que ma maman joue aussi. Les théâtres et la danse n'ont pas manqué au rendez-vous, qui d'ailleurs a coïncidé avec la date de la création du Congrès national congolais par l'honorable Pius Mwabi Lumba Yomukala, un certain 31 mars 2011. Papa. Maman, je suis là. 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 Je su
Par le décès de notre camarade. Le 8 mars, nous n'avons pas pu faire quelque chose comme nous devrions enterrer notre camarade. Nous, personnellement, en qualité de coordonnatrice, nous sommes allés à Kalemi, voir les mamans de Kalemi, au Tanganyika. Nous avons pu fêter ensemble avec elles le 8 mars. Maintenant, ensemble, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, le 31 mars, pour clôturer ensemble et en même temps en profiter pour l'installation. Nous avons un bilan positif pour ce mois de mars 2018. Oui. Toutes les mamans qui sont là sont déterminées. Avant de les installer, avant que ce soit un comité, nous avons d'abord essayé de parler avec tout ce moment avant que nous soyons un comité. Nous espérons vraiment que ce sera un comité qui va travailler très dur.